L'immunité innée. La réponse inflammatoire. Le principal moyen par lequel le système immunitaire inné répond aux infections et aux lésions tissulaires est de stimuler l'inflammation aiguë. Des cellules sentinelles, telles que les macrophages et les cellules dendritiques, sont présentes dans la plupart des tissus. Elles reconnaissent le pathogène via le récepteur de reconnaissance de modèle. Elles s'activent et sécrètent des médiateurs, entre autres des substances chimiotactiques appelées chimiokines, qui se diffusent dans le sang et attirent les leucocytes circulants. Typiquement, le leucocyte qui est recruté en premier vers les sites d'inflammation est le neutrophile. C'est le leucocyte le plus abondant dans le sang et celui qui répond le plus rapidement aux signaux chimiotactiques. Ensuite, les monocytes sanguins deviennent de plus en plus importants dans le site inflammatoire avec le temps. Ils peuvent constituer la population dominante dans certaines réactions. Parmi les protéines plasmatiques importantes qui pénètrent dans les sites d'inflammation figurent les protéines de système du complément et les anticorps. Les leucocytes et les protéines sont recrutés dans le but d'éliminer les micropathogènes et commencent à réparer les tissus endommagés. La conséquence de ce recrutement massif est que le site d'infection ou lésion devient gonflé, rougeâtre et chaud. Le gonflement exerce une pression sur les terminaisons nerveuses provoquant une douleur locale. En plus des chimiokines, les cellules sentinelles sécrètent des cytokines pro-inflammatoires, notamment le TNF-alpha, l'interleukine 1 et l'interleukine 6, qui ont de multiples effets locaux et systémiques. Parmi les effets locaux, le TNF-alpha et l'IL-1 induisent des changements dans l'expression des molécules d'adhésion endothéliale, ce qui facilite l'adhérence des neutrophiles et des monocytes aux cellules endothéliales et de leur transmigration à travers la paroi vasculaire. Quant aux effets systémiques, on a plusieurs. L'interleukine 1 agit sur le système nerveux central et déclenche la fièvre. Ainsi, nous avons pu comprendre les signes classiques associés à l'inflammation connus depuis l'Antiquité. La douleur, la chaleur, la rougeur et la tuméfaction ou gonflement.